Okay, ladies and gentlemen, this is a magic center. 24 et 1. Super départ là pour Dorian Kessoniel, le pilote de Nitral. Alors, des scénarios qui ont pris le commandement, les opérations et bien, parce qu'on ne peut pas le lâcher derrière les liens. C'est la bagarre entre deux clubs pour cette deuxième position. Entre Kevin Marchand et Lucas Félix, avantage à Kevin Marchand. Alors, la fois rigolée, hein, l'entrée de ce premier mirage. C'est de 24 ans, c'est un nouveau gardien, un accrochage dans le dernier virage en tête. On retrouve. Un petit peu pour la même raison là, c'est peut-être un peu plus. La troisième fois que je me trompe de risque, je vous dis ça va pas. Allez, la récession 26 maintenant. Et le meilleur départ, il a tout de suite été pris par le caractère. Il est prêt de jouer les tours. Juste derrière le CIVIS, le Bigo aussi, bien vu. Voilà, ça s'est bien resserré dans les virages, heureusement, c'est un accrochage à la troisième position, même pour Amélien Michel, attention, ça revient de Mans, la victoire de Mans, je trouve, je vais essayer un peu de la prendre, c'est un super départ là, à l'intérieur, pour le numéro 08, Rémi Maiano, le pilote stéphanois. Mais donc c'est passé là, on est de deuxième virage, qui vite, voici le premier à l'intérieur, il a perdu le point dans cette heure, et a gardé sa position ballon, il le dit vite, c'est ce qu'il faisait la part de Lucas Geffray, le fait de l'éclairer avec Lucas Geffray qui a tenté de prendre le commande de cette opération, il n'est pas parlé. La situation prend de vite maintenant. Là, on a eu un désolé départ de Yann Chaffiotte, le pilote Stéphano, Yann Chaffiotte en tête dans cette série-là. Il y a même un petit peu d'hommage là avant d'attaquer cette deuxième section puisque derrière lui on retrouve Marien Cheminement, mais Marien déjà 2 mètres derrière la troisième position.